J'espère que le Tout-Puissant Allah Subhanahu wa Ta'ala acceptera nos prières parce qu'il est le propriétaire de tous les êtres vivants. Dieu, notre protecteur, Dieu, notre Seigneur, qu'il nous protège. Voilà, qu'il nous protège, qu'il prend soin de nous parce que là où nous sommes arrivés aujourd'hui, on ne peut qu'implorer ça. Bonsoir à mon frère Diawara Fassili, grand frère, salam alaikum. Et à Touré Mandemori, voilà. C'est-à-dire, c'est indiscutable, ses yeux. Quand tu entends Touré ou Bété, tu inquiètes à Mandemman, ça, Touré Mandemori. Il dit, c'est Mandemboula ou le boulot. C'est-à-dire, qu'on refile la flatouna, il n'est pas un Mandem, c'est ça. Sinon, vous savez très bien, quand on dit Touré là, on sait ce que cela veut dire. C'est comme quand tu dis Bari. On dit c'est du Bari, c'est des originaux. Allez, c'est-à-dire, voilà, originaux. Donc, partagez, mettez le cœur. Bonsoir à tout le monde. Konaté, Aïdimfa. Partagez, mettez assez de cœur qui est amende mansa. Folie albanien. Koto Amintou, Mamadou Yaya Diallo. Non, koto, non, marchou de salam alaikum. Nous allons évoquer seulement deux cas. Bonsoir à tout le monde. Deux cas. Nous allons juste rappeler un monsieur qu'on appelle Dansa Kourouma. Parce que c'est Dansa qui nous a provoqué. Si dans ça, ce soir, il dit que les partis politiques ont été achetés. Donc, nous avons des preuves pour rappeler au... Excusez, j'ai oublié de mettre le titre, quoi. Ma cousine chérie, comment vas-tu? Oh non, Mariam. On va taper, nous allons commencer à taper ta bouche. Voilà. Et pourtant, tu es trop... Les Konyala t'aiment tellement parce que tu es une très, très bonne personne. Voilà. Une très belle femme, une très bonne personne. Nous, on t'aime. Voilà. Comment vas-tu, les enfants? Donc, bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. Voilà. Mais le monsieur qui m'a provoqué par rapport à Gawala, Baouri et Dansa, c'est vous qui êtes en train de mettre les gens dans les problèmes. Parce que je parlerai tous les jours d'eux. C'est ça. Parce que vous me demandez qu'est-ce qu'ils m'ont fait. Et c'est parce que vous m'attaquez en inbox. Voilà, vous m'attaquez en inbox. Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous ne pouvez pas me dire de ne pas attaquer Gawal. Je vous ai dit que Gawal et Doumbouya sont au même pied d'égalité que moi. Gawal a trahi Sédale Ndiallo. Doumbouya a trahi le Prosa Fakonde. L'IFDG et le RPG travaillent ensemble. Donc je ne peux pas... Excusez-moi, pardon. Voilà, excusez-moi. Ne me posez pas des questions pareilles, s'il vous plaît. Je ne fais pas le combat contre Gawal pour l'IFDG. Non, non, non. L'IFDG et le RPG sont dans le même combat. Parce que les deux partis politiques ont décidé d'abord de récupérer leur pays. Omo salam alaikum. De récupérer les pays. Comme nous sommes dans la récupération de notre pays, non, je ne peux pas tolérer l'ingratitude de quelqu'un. Je ne peux pas tolérer les manquements de respect à l'égard de Sélou Dalé Ndiallo. Excusez-moi quand je dis Sélou. Et là, Sélou Dalé Ndiallo. Je ne peux pas tolérer la façon dont je ne pardonne pas le manque de respect de quelqu'un envers le Prosa Fakonde. C'est comme ça. Je ne tolère. Vous savez, même quelqu'un de l'IFDG, on est d'accord, dès que tu manques de respect à Alpha Condé, moi je te remets à ta place. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Cela ne veut pas dire que non, on n'est pas, on ne travaille pas ensemble. Non, non, non. Mais tu, par erreur, même dans les commentaires, j'ai dit aux personnes qui gèrent mes pages, parce que j'ai deux administrateurs qui surveillent mes pages, nous travaillons ensemble. Voilà, nous travaillons ensemble, eux là. Ils sont chargés de contrôler tous les commentaires. De fois là même, quand certains sont insultés là, ils pensent que c'est moi-même qui les ai insultés. Continuez à me répondre là-bas, vous perdez votre temps. Moi, je n'ai pas le temps de lire un commentaire. Voilà, moi, je communique avec des bonnes personnes, mes proches, ils sont là-bas, ils m'appellent, on cause. Voilà, les personnes qui m'appellent, dès qu'ils m'appellent, je décroche, ils connaissent, ils sont là. Maintenant, les commentaires là, moi, j'ai des personnes qui gèrent les commentaires. Donc, bonsoir, salam alaikum. Nous allons revenir sur Abakar EDG, je l'appelle Abakar, le ministre de l'énergie, qui demande flagramment, qui dit à l'EDG d'accélérer l'installation des compteurs prépayés. Mais ce ministre de l'énergie n'a pas du tout dit à la population pourquoi, qui gère maintenant les compteurs prépayés. Vous avez vendu les... Vous n'expliquez pas aux Guinéens que vous avez vendu le marché des factures au Sénégal, en tout cas à la France. J'ai le document ici. Vous avez payé 28 millions de dollars pour la distribution du courant par le Sénégal. Et pourtant, c'est ce Sénégal-là, plus la Côte d'Ivoire, qui sont venus nous voir au temps de son excellence, le professeur Fakonde, pour négocier
de les donner des lignes de notre barrage hydroélectrique. Aujourd'hui, c'est vous le contraire. C'est-à-dire, vous payez aujourd'hui le courant au Sénégal à hauteur de 28 millions de dollars. Mais où est ce courant-là? Où est ce courant? Parce que c'est 28 millions de dollars. Où se trouve ce courant? Où se trouve ce courant? C'est-à-dire, vous êtes champion dans la surfacturation. Vous êtes champion. Voilà pourquoi on ramasse des jeunes jobbers qu'on appelle ministres. Mourouane Souma et Aboubakar. Aboubakar, 28 millions de dollars, pour quel courant? Pour quel courant? Vaut mieux prendre les 28 millions de dollars, acheter des groupes et puis nous donner le courant. C'est tout. 28 millions de dollars. Pour quel courant? Vous donnez ça au Sénégal. Vous avez vu les Sénégalais? Vous avez vu la Côte d'Ivoire? Vous avez... Ces pays-là ne blaguent pas avec le système économique. Là, voilà, vous le payez. C'est comme vous avez voulu jouer avec pour le ravitaillement du carburant avec la Sierra Leone. Non, c'est un pays anglophone, c'est rentré ça. Vous avez vu? Ils ont dit, niet, vous payez avant qu'on ne distribue. Total, en Côte d'Ivoire, avait dit, vous payez d'abord parce que personne ne vous fait confiance. L'argent-là, c'est par rapport à quel courant? Maintenant, le deal que vous avez signé, dites ça. Hey, moi, je vous mets à défi. Montrez ce contrat-là au Guinée. C'est simple. Vous qui êtes venu faire la refondation, la refondation, regardez à Cancan. Cancan, là, c'est chez moi, ça. À Cancan, les résultats de recrutement, la fonction publique des contracteurs est sorti. Mais ce qui est marrant, il y a cinq personnes que moi-même, je connais très personnellement, qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont admis. Hein? C'est-à-dire, et qui sont admis. Ce ne sont pas des contractuels, hein, qui n'ont jamais enseigné. C'est-à-dire, vous laissez les enseignants, vous introduisez des noms. Hein? Quand l'Hébraïe est Hébraïe, heureusement aujourd'hui, c'est la population, le reste de la population qui avait un peu confiance à Doumbouya, là, qui ont crié au scandale. Et Angibraté, allez-y, écoutez, en bon maliké, Angibraté. Mon ami était mon lacran que là. Wolbra gagné, c'est-à-dire des gens qui n'ont même pas déposé de dossier, qui ne sont pas des enseignants, sont admis au concours de recrutement à l'enseignement préuniversitaire et supérieur. Non, c'est grave. C'est très grave. Tandis qu'il y a des jeunes qui ont enseigné pendant 2 ans dans des sous-préfectures de la Haute-Guinée, qui n'ont pas reçu d'argent, mais qui se sont battus parce qu'on les avait promis d'être recruté lors du concours de recrutement. Ah, monsieur le ministre. Et pourtant, c'est avant que vous avez fait Nathalie. Eh non! Quelle refondation! Nous avons même oublié les militaires qui ont été recrutés. Les militaires, on les a jetés à l'AB et autres, la partie. Là-bas aussi, il y avait la corruption. Ces militaires-là, personne ne parle d'eux. Beaucoup sont rentrés chez eux. Waouh! Beaucoup sont rentrés chez eux! C'est le ministre de l'enseignement supérieur qui est en train de lancer un concours, je ne sais pas quoi là. Les étudiants pleurent au Maroc, en Tunisie, en Russie et au Cuba. Ils n'ont pas de pécule. 12 mois, il n'y a pas d'argent. Il y a un service spécial pour les bourses extérieures. Oui, c'est un département créé depuis le temps de Lansana-Conté, qui s'occupe des étudiants de l'étranger, qui les paye, qui décaisse. Wallahi. Et puis on parle de refondation. Monsieur le ministre de l'énergie, quand je vois Dansa Kuruma Konolala en boubou comme ça, il est souvent en boubou comme ça, il est assis. Non, Tafsir. Je dis, je mets quiconque à défi de me dire que ce n'est pas vrai. Les gens nous ont envoyé tellement de noms. Il y a plus de 90 personnes qui ne sont pas des enseignants, mais qui sont admis. Admis, monsieur le ministre de la fonction publique, qui sont admis. Quelle refondation du jamais vu. Du jamais vu. Frère Timbo, salam alaikum. Alpha Ritru, comment vas-tu? Aujourd'hui là, c'est la Haute-Guinée qui est blessée, gravement blessée. Voilà pourquoi Miss Mani Touré, l'ancien griot là qui a cancassé, disait, il disait clairement, hein,
n'y a pas une communauté misérable aujourd'hui qui souffre plus que les Malinké. Nkokumataro. Kumataro. Le gars est méchant. Il fait du mal. Il tue les Malinké. Il est méchant envers les Malinké. Voilà pourquoi les gens nous parlent du Manding. Quand tu prends les Mansa Bilali, les Joulous, je ne sais pas, le Vaurien qui est là, mais là, le Condé, le handicapé là, le Vaurien, quand ils sont contre le Manding. Vous qui aimez le Manding là, pourquoi, regardez? C'est grave. En attendant, là, ils sont en train d'organiser la Mamaya à Koronti, où ils ont assassiné les gens. Doumbouya même a appuyé sur le bouton. Et puis, oh! Le drone est descendu sur cette centrale. Non, le dépôt du carburant du Moïse. Combien de morts, combien de... Jusque-là, certaines personnes qui sont en train d'être traitées. Et c'est dans cette commune-là, c'est dans ce quartier-là que les gens font la Mamaya. Et puis, ils tirent sur nous, quoi, bas les politiciens manipulateurs. Nous sommes des manipulateurs. Que bouti. Mon frère Diallo Alpha, salam alaikum, frère. Donc, dans sa courma, je reviens sur toi. Je laisse le ministre de l'énergie. Monsieur le ministre de l'énergie, vous avez entendu hier notre tonton Gassama Diaby, le texte que j'ai lu, écrit par Gassama Diaby, il parle du peuple misérable. Le peuple, un peuple misérable qui souffre aujourd'hui à bout de souffle. Tandis que un certain Ben Doumbouya, qui dit être le frère de Doumbouya, est devenu milliardaire à Bokeh. Il a tous les contrats miniers. Il sous-traite tous les contrats miniers avec Doumbouya. 80% pour lui, 20% pour Doumbouya. Dans les 80% que lui a, 20%, il a 60% pur pour lui. Dans les 20%, c'est-à-dire 20% pour Doumbouya pur, 20% pour les à côté de Doumbouya. Vous savez qui est devenu milliardaire tranquillement aujourd'hui? C'est Djiba Diakité. Tout ce qui est mine là est géré par Djiba Diakité. Donc, Doumbouya a 20% lui seul. Les 20%, c'est entre Djiba Amara et les autres. Le gouverneur. Le monsieur est en train de faire des bâtiments, 3 chambres-salons à Bokeh pour mettre en location. Et puis, c'est lui qui a les contrats. Il prend les travailleurs. Et puis, si tu dois travailler pour lui, obligatoirement, tu dois louer ses appartements. Quel marché? Il te recrute. Et puis, tu prends ses appartements. C'est obligatoire. C'est-à-dire, il te recrute, et puis tu prends ses appartements, tu paies la location, et puis tu paies l'avance, un an. Voilà, il n'a même pas 40 ans, il est devenu milliardaire. Il dit qu'il doit, il dit à tout le monde qu'il... Tout le monde le voit, on dit, Doumbouya frère Nancy Gafenaki. À Bokeh, c'est comme ça, on dit, Doumbouya frère Nancy Gafenaki. Doumbouya frère, ça s'appelle Ben Doumbouya. Et vous allez vérifier, ils ne sont même pas liés, ils ne sont pas liés. Si tout ce qui s'appelle Doumbouya en Guinée se réclame de frère de Doumbouya, mais c'est que c'est fini. Il y a un autre qui avait... Bon, cher frère, nous allons rappeler à une personne, parce que c'est lui qui nous a attaqués. Il dit que tous les partis politiques ont été presque achetés. Voilà ce qu'il disait de nous. Voilà pourquoi, quand les gens nous attaquent... Ah, c'est non, oui, mon champion. Quand les gens nous attaquent là, moi, ça me fait pas mal, hein. Quand on dit le RPG ceci, il y a des gens même qui ont dit que non, qu'on doit suspendre le RPG pendant 5 ans parce qu'elle a dirigé le pays, le RPG, le PIP, les partis qui ont géré ce pays-là. Mais comme il y avait le PIP, les gens, ils ont laissé ça. Non, pour ne pas fâcher une ethnie. Les gens sont dans les calculs ethniques. Donc, ils ont laissé ça. Ils ont mis ça de côté. Et lui, dans ça, aujourd'hui, nous récupérons les anciennes vidéos. Là où tu, parce que c'est toi, tu étais membre, le patron de la société civile. Ça, là, la réconvoite, ma chérie. Tu étais patron de la société civile. Patron de la société civile. En tout cas, une grande partie de la société civile. T'obéissais, hein? C'est lui qui avait mis quiconque à défi. Que toi, tu reconnais le pouvoir d'Alpha Condé. Que tu t'en fous. C'est toi. Et nous allons t'écouter. Après, je vais rappeler. Encore, je vais relire la dernière partie, les deux derniers paragraphes de tonton Gassama Diaby. C'est ça, Koto Modbaldi, tu as raison. Je vais mettre ça, attendez, c'est pas loin, loin même. Ça est là, voilà, ça est là. Il est très folle, ne t'aider. Parce que je l'ai dit, et c'est nous qui t'avons donné l'argent pour mettre tes hommes sur le terrain afin de superviser les élections. Hein. C'est nous. Kaori Dima, tu avais ton argent personnel. Même une voiture, tu avais reçu. On t'a offert une voiture 4x4 flambant neuf.
Et puis on t'a donné de l'argent. Nous avons, c'est-à-dire on t'a donné de l'argent pour superviser, pour mettre. Et puis combien tu as donné à tes superviseurs? Tu veux qu'on revienne sur ça? Combien tu avais donné à tes superviseurs sur le terrain? Père Adélison, par rapport au montant reçu, si nous rentrons dans ces calculs-là, tu dois beaucoup à ces gens-là. Vous comprenez? Voilà. Toi là, tout le monde peut parler de nous, sauf toi. Voilà pourquoi nous avons respecté le l'IFDG. Oui, j'ai raison de parler. C'était le parti de position le plus crédible. L'opposant le plus crédible, le plus en point. Mais toi, on pouvait t'acheter, tu es un caleçon. Chacun peut t'acheter et porter. Voilà, tu es une friperie. Voilà, une friperie, ça dit un porteur. Après, on envoie en Afrique, d'autres achètent sa porte. Tu es une friperie, c'est tout. Eh bien dit ça, même tout cela, c'est lui arrive au pouvoir, il peut t'acheter. Tu vas faire la même chose. Tu vas dire, il n'y a pas d'os, il n'y a pas sondé. C'est comme ça. C'est toi, c'est Ahmed de Paris qui a passé, qui n'a même pas le brevet d'études de premier cycle, hein, le BEPC, comme les Baïdi Haribo, qui n'ont pas le brevet, qui n'ont aucun diplôme. C'est eux qui chient sur nous, eux là. N'importe quoi. Et qu'alors, Anna Domini Tolaldi, c'est notre Angle Kala Domini. La plupart des petits riches aujourd'hui qui supportent Doumbia là ont eu l'argent en quel temps? Autant d'Alpha Condé. C'est Alpha Condé qui vous a donné le pouvoir de nommer qui, de vous aider, de vous entretenir, d'aider les gens. Mais vous l'avez trompé et puis vous l'avez manqué de respect. Et toi, dans ça, tu peux nous dire quoi? Hein? Kakonola Ibaragnola. Il met Barla Biro, Kakonola. Tu as, il va au Sénégal, il est au Sénégal, il est au Sénégal, n'est qu'à Kessoulo, je connais des garçons comme ça là. Ils ont au sommet, tout le monde l'appelle président, un gawa comme ça. Donc pour lui, non, il a le droit d'être comme Doumbouya. T'as vu Doumbouya là, toutes les femmes qui sont belles là, pour lui, il doit taper. Faya Gassi. Regardez à Cancan, la fille est venue, c'était une ancienne connaissance. Elle a commencé à regarder la poitrine de la fille. À Anglibé, au signe là, où dit Doumbouya même en place. C'est honteux. Très honteux. Quand tu es élu, choisi par le peuple, tu sais ce que tu dois faire. Parce que tout ce que tu vas voir est scandaleux quand tu es élu par le peuple. Voilà, parce que les médias sont libres. Les médias peuvent dénoncer ton attitude, ton comportement. Tu penses que le comportement de Doumbia aujourd'hui, si Doumbia a été élu par le peuple, la presse est libre. Chacun peut dire ce qu'il veut, comme au temps d'Alpha Condé. Tu penses que les gens n'allaient pas signer ces bêtises avec la fille là. La fermière qui porte Gucci, qui porte les tenues de marque là pour aller au champ. La Fatmata, l'événement de quoi là-bas? C'est pas si elle est forestière ou quoi là-bas. Vous l'avez vu? Elle a totalement changé. Pourtant, on dit qu'elle est mariée. On ne sait même pas avec qui elle est mariée. Tu pensais que dans un temps normal, avec les médias crédibles, toutes ces bêtises-là, ici, là, quand il est venu aux États, à New York, ici, là, il n'a pas eu honte de coucher avec la copine de son grand. Ici, la fille même a monté et dit, aïe, fort. Elle fait sa main comme ça. Aïe, fort. Moi, toi, elle est Kedia, je m'en côté. Quand Doumbouya l'a appelé avant de partir rencontrer la presse, elle n'avait même pas honte. Il y a même une qui a dit là-bas, selon les Kurshita là. Oui, elle partait parce qu'elle quittait son hôtel. Quoi, on l'a appelé rapidement, on dit Doumbouya veut te voir. Elle est partie, elle n'avait même pas de cas. Moi, le Kafo Diamaro, quoi, Aototel Kurshita là. Devant tout le monde, ici à New York, ici. Poro. D'une fitini, moi, il est au New York, il est au bombe, t'as en chartou avec l'argent du contribuable, en Naoudi. Et puis c'est toi qui oses dire que la plupart des partis politiques ont été achetés par. Achetés. Toi, tu peux nous dire ça. Bon, les gens vont t'écouter. Si tu es crédible, moi, je vais te. Hey, nous allons montrer la face, que tu n'es pas crédible. Tu n'es qu'un poltron. Tout le monde peut t'acheter, il n'y a pas quelqu'un. Même le futur président peut t'acheter. Et t'es malheureux alors, malheureux, tu n'as pas honte, petit dans ça. Frère, salam, écoutez-les, excusez-moi, écoutez-les. Si j'arrive à ouvrir, c'est toi, hein? Créer et respecter. Donc, je ne commande pas ce qui ne m'engage pas.
Écoutez-les. Nkrumah n'est pas du même avis que ceux qui ne reconnaissent plus Alpha Condé comme président de la République. Pour le numéro 1 du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne, Alpha Condé reste et demeure le chef de l'État jusqu'à la fin de son mandat. C'est pas la première fois qu'un chef d'État, que des acteurs disent qu'ils ne reconnaissent pas un chef d'État. Écoutez, ça s'est passé. Ça n'engage que ceux qui ont tenu le discours et ceux qui croient. La Guinée, c'est un pays démocratique. Oui. Les libertés d'opinion doivent être consacrées et respectées. Donc, je ne commande pas ce qui ne m'engage pas. Je ne suis pas adepte. Je suis adepte de Dieu et de Mahomet. Je ne suis pas adepte d'une autre, d'un groupe de personnes, d'un courant de pensée politique et philosophique. Je ne crois qu'en Dieu, à son prophète et à son Coran. Tout le reste est relatif. Donc, Alpha Condé est le président de la Guinée jusqu'à la fin de son mandat. Et les conditions de fin de mandat sont définies par la loi. Le président du CNOSC, qui respecte le combat du Front National pour la défense de la Constitution, cependant, il demande à chacun de respecter la position et les droits de l'autre. Je respecte le combat du FNDC, je respecte aussi les Guinéens qui veulent aller exprimer leurs droits civiques dans les urnes. Les autres ont le mérite de lutter pour une cause politique bien définie, mais leur lutte doit respecter les fondements de la République, doit respecter la liberté des autres citoyens qui ne font pas partie de cette lutte. On ne doit pas menacer les gens, empêcher. Le terrorisme dans le débat politique est contre-productif. Pour Dansa Kuruma, la sécurité des citoyens et de leurs biens est du ressort de l'État, non du FNDC. Il n'appartient pas au FNDC d'assurer la sécurité des Guinéens. Il appartient à l'État guinéen, au gouvernement de la République de Guinée, et à ses institutions d'assurer la sécurité des Guinéens. Oui. Donc il n'y a pas de combat à faire, de combat d'opinion ou de parole à faire entre les deux. S'il y a de l'insécurité le jour des élections, le gouvernement doit assurer l'entière responsabilité. Et ceux qui ont contribué à cette insécurité, si c'est pour des raisons personnelles, politiques ou partisanes, ceux-ci aussi doivent répondre devant la justice. Ils ne répondent pas devant le gouvernement, mais ils répondent devant la justice. Donc, je pense que vous l'avez écouté. Voilà. Vous l'avez écouté? Voilà. Donc, parce que vous l'avez écouté, c'est lui, hein, c'est pas une autre personne. C'est la même personne qui est aujourd'hui en train de nous faire la morale. La même personne. La même personne qui est en train de nous faire la morale aujourd'hui. C'est ce qu'il disait avant. Excusez-moi. Excusez-moi, c'est la même personne. Vous l'avez entendu, hein? Eux là, à chaque régime, ils sont là. Vous comprenez? Donc, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, monsieur Dansa, c'est ça. Si vous voulez, je peux vous réécouter. Non, mon frère, bon, c'est vraiment un torchon. Non, c'est-à-dire, il est plus qu'un torchon. Dansa est plus qu'un torchon. Voilà, mon frère. Plus que. Vous avez vu comment il est concentré comme ça? Il est concentré. Concentré même. C'est lui, hein? Justice. C'est lui. Ça qui est un peu le pays. Ngomote Mentasana, Bedassan, tout le monde peut le payer. Excusez-moi, je vais terminer par ça. Parce que la comédie ne finit pas dans ce pays-là. Le soir, nous allons revenir sur l'ANA. Parce qu'il paraît qu'il y a des bateaux qui ont costé au niveau du port. Ils ont trop peur. Il y a des bateaux au niveau du port, là. En tout cas, sur la mer, mais proche de nos côtes, là. Tellement qu'ils n'ont plus de matériel de surveillance, là, ils ont peur. Ils demandent aux bateaux là, de quitter là-bas. N'ayez pas peur. Alors, je vais vous montrer ça, là. Puis on va laisser comme ça. Attends, Kalama. Aya Konoko, ko brûlé. Bruiteur. Voilà. Parce que je vais lire ça un peu rapidement, M. Aboubakar Camara. Le ministre à M. le directeur de la Société d'électricité de Guinée, EDG Conakry. M. le directeur général, par la présente, je vous prie instamment d'accélérer la mise en place des compteurs prépayés dans tous les départements ministériels.
est de procéder à la coupure de l'électricité en cas de non-collaboration des usagers, c'est-à-dire au niveau de tous les départements. Parce que tu veux attaquer les ministères. Les ministères, ça fait depuis le temps d'Alpha Condé jusque-là. Là. Au temps d'Alpha Condé, ils payent, hein, mais jusque-là, là, on ne paye pas. Ça fait 3 ans, aucun ministre de Doumbia n'a payé le courant. Donc, il faut mettre les comptes prépayés dans le département. Je vais lire le communiqué. Allah, Billy. Il est essentiel de rappeler que la production et la distribution de l'électricité entraînent des coûts considérables et ont un impact significatif sur le budget de l'État. Par conséquent, il est impératif que cette directive soit mise en œuvre avec rigueur et sans délai. Notre département suivra de près la mise en œuvre de ces mesures pour en garantir l'efficacité. Je vous remercie par avance pour votre diligence et compte sur votre coopération rapide pour assurer le bon déroulement de cette opération cruciale d'installation des compteurs prépayés dans tous les départements. Il a dit tous les départements, même au ministère de la Défense, c'est Idi Amin. Allez-y. Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur général, l'expression de ma parfaite collaboration dans cette initiative. Veuillez recevoir mes salutations, papa Abaka Kamara, monsieur le ministre. Donc, exécutez. Voilà. Parce que c'est ça aussi. Tu es un jobber, un ancien job. Parce que les gens sont en train de t'attaquer. Voilà. Attendez, je cherche la partie là, mais ou bien on laisse ça prochainement. Oui, je l'ai. J'ai pris ça quelque part. Bon, voilà. Attendez, je vais le trouver, voilà. Je vais le trouver, voilà. Non. Voici ici, voilà. Ça est là. C'est pas moi qui ai écrit, hein. Voilà. J'ai pris ça au niveau. Ça, c'est au Sénégal. Regardez. Ça, c'est au Sénégal. Regardez très bien, c'est au Sénégal. C'est le titre que j'ai pris. Je laisse le test là pour le soir. Le soir, je vais vous développer le test. Comment le contrat, comment les versements se font, je vais vous expliquer tout le soir. Mais néanmoins, vous devez savoir que 28 millions de dollars US, c'est le montant débloqué par la Guinée pour acheter l'électricité au Sénégal. C'est ce qui est écrit ici dans le document de Sénégal. 28 millions de dollars US, c'est le montant débloqué par la Guinée pour acheter de l'électricité au Sénégal. Au Sénégal. Voilà. Donc, portez-vous bien. Nous allons reprendre tout le soir. Et nous saluons quelque part M. Tolaba. Inch'Allah. Et il y a un monsieur qui a écrit tout de suite là. Sur ma page, il parlait de commandes de Faré. Je pense que je ne vais pas rentrer dans un débat. Tous ceux qui ont écouté mon débat là, je pense que j'étais clair. J'ai dit, selon mes informations, c'est ce que j'ai dit. Selon mes sources, j'ai toujours dit. J'ai toujours dit, bon, il y a des informations, je vous passe les informations. Après, je fais mon direct. Voilà. C'est vous qui savez pourquoi. Qu'est-ce que commande. Il y a même quelqu'un qui connaissait très bien le cas de commande Faré. Il a posté, il dit, qu'est-ce que le gars a fait en Guinée? Qu'est-ce qu'il cherche en Guinée? Il y a eu des négociations truculées, tout. Il y a eu des arrangements. C'est pas le problème. Vous dites, voilà, ce qui est clair, c'est ça. Donc, portez-vous très bien, on se reprend après. Merci à tout le monde. Merci. Et continue, n'oubliez pas, hein, n'oubliez pas de continuer à vous abonner sur ma page YouTube, @MassantaBenitoOfficiel. Voilà. Et n'oubliez jamais, je salue mon frère Konateke depuis le Gabon. Voilà. Salut, champion, merci beaucoup. Voilà. Et ce qui dit là, n'oubliez jamais, restez noté. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui prendra Doumbouya. C'est quelqu'un de très proche de lui. Nous connaissons la formule. Je vous ai déjà expliqué ça. Il y a deux alternatives. Il y aura un coup d'État au mois de décembre. S'il n'est pas pris par nos propres hommes, ils vont faire un faux coup d'État en décembre pour dire non, il a été pris. Après, il viendra comme candidat. C'est la formule. Soit c'est Spartacus ou bien c'est Commando Faré. Mais c'est la dernière formule qu'ils ont choisie. C'est ce qui va se passer. S'il n'est pas pris avant décembre, il y aura un faux coup d'État. C'est ce qui va se passer. Voilà. Merci beaucoup et portez-vous bien.
Thank you.